On va parler de la COVID-19 et c'est moi la mine encore. C'est longtemps quand c'est plus révu. Alors, on va parler des pays qui ont attrapé le coronavirus. Alors, on sait que vous faites les classes en ligne puisqu'on fait aussi les classes en ligne. Et on a jusqu'au février 10, mais le gouvernement a annoncé que peut-être il y aura plus de jours de rester à la maison. Alors, je ne sais pas encore ce qu'il a dit. Mais de toute façon, on sait que le coronavirus est dangereux. Il y a plusieurs Chinois qui ont attrapé le coronavirus. Et ça, c'est pourquoi ils sont venus chez nous, les Canadiens. Parlons des faits de COVID-19. Alors, on sait que ça circule partout, ça voyage partout comme un fou. Et c'est vraiment important de porter le masque, garder les 2 mètres dans les magasins et les pharmacies. Mais la COVID-19, tu peux seulement aller dehors quand tu as besoin d'aller acheter les médicaments de tes enfants ou tes médicaments. Et seulement pour travailler aussi ou acheter de la nourriture pour le dîner ou le souper de la famille ou quelque chose d'essentiel. Alors, il faut faire de bonnes choses dehors. Il ne s'agit pas seulement de dire « Oh, moi, je vais acheter des jouets. » Maintenant, là, les stores de jouets, là, c'est parti. Mais quand même, ce n'est pas la fin du monde. On peut quand même se promener dans notre jardin, promenade en voiture, promenade en traîneau en hiver. Alors, il faut se promener parfois, prendre de l'air, respirer, se sentir libre. Et on va passer au chapitre 3 maintenant. Au troisième chapitre, nous allons parler de plusieurs pays qui ne sont pas protégés et qui ont besoin de notre aide, les Canadiens. Alors, commençons avec la Guinée. Le pays de vous, mes abonnés. Alors, la Guinée, c'est vraiment important de parler de ça. Alors la COVID-19 circule beaucoup de fois dans Guinée. Et il y a des pauvres aussi qui sont importants dans le choses des pays. Il ne s'agit pas seulement à dire « Oh, je suis riche !» Je vais m'acheter une belle voiture rouge pour ma femme à Noël. Parfois, il y a des pauvres qui ont besoin de votre argent. Au lieu de gaspiller votre argent pour des choses expensives, des robes expensives. Parfois, il faut diminuer le truc comme le prix de l'argent. Parfois, il faut diminuer parce que si tu utilises 1 000 $ et ça coûte cher le 1 000 $, aïe, 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 c'est pas bon. Il faut parfois garder ton argent pour les pauvres. Parfois, je vois que mes parents aident les pauvres, alors c'est vraiment gentil de leur part. Merci maman d'aider les pauvres. Mais revenons à nos moutons ou revenons à nos COVID. Alors, COVID, c'est vraiment dangereux. Alors, il faut garder le 2 mètres. Alors, c'est vraiment important. On va passer à chapitre 4. Alors, c'est de ne pas avoir une fête avec 1 000 personnes. Et si tu as une fête avec 1 000 personnes, il y aura un policier qui va te dire de donner beaucoup d'argent. Alors, j'ai trop parlé. Alors, c'est la fin de la vidéo. On vous verra à la prochaine.